28 février 2010. Voilà tout juste 3 ans que vous n'êtes plus parmi nous, mais toujours dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Chers cousins, ça fait exactement 3 ans que vous n'êtes plus là. Quelles que soient les circonstances, vous avez toujours une place dans mon cœur. Je pense à vous si les mois passent, les jours passent et les heures passent. Je vous aime. Vous êtes toujours dans mon cœur et je ne vais jamais vous oublier. Il y a 3 ans, vous avez été sauvagement et lâchement martyrisé et assassiné par le déchaînement des plus horribles passions humaines, la haine et la vengeance. Oui, j'ai très mal en pensant tous les jours et toutes les nuits à vous cinq. Oui, j'ai très mal à ma grande Yasmine, qui aurait 17 ans et qui ne sera jamais professeure de français. Oui, j'ai mal à ma grande Nora, qui aurait 15 ans et qui ne sera jamais, comme elle me l'avait dit, infirmière ou médecin. Oui, j'ai très mal à ma chère Myriam, qui ne sera jamais professeure d'éducation physique, comme elle en rêvait. Oui, j'ai très mal à ma douce Mina et à mon petit Mehdi, qui n'avait pas encore l'âge de penser à l'avenir. Il ne pensait qu'à jouer et à dessiner. Et j'ai d'autant plus mal à mes 5 petits-enfants que j'apprends que d'aucuns ont l'indécence de vouloir réaliser un film à partir du drame dont vous furent victimes. Mes enfants, je fais ici la promesse solennelle que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour conserver intacte votre mémoire et la préserver de la pollution mercantile qui la menace. Non, on ne vous assassinera pas une deuxième fois. Mes chers petits, nous nous reverrons, j'en suis certain, un jour ou l'autre, si Dieu le veut, Inch'Allah. J'ai beaucoup de chagrin, beaucoup, énorme chagrin. Pour ceux qui restent, évidemment, la famille, et ce qui s'est passé. Les excuses qu'elle a invoquées, je ne trouve pas, ce ne sont pas des excuses, on n'a pas le droit de... Parce que si on prend comme prétexte la vie qu'elle avait, soi-disant, à ce moment-là, il n'y aurait plus beaucoup d'enfants sur Terre. Hein. Le fait qu'il y ait un film qui va sortir, pour vous, est-ce que ça vous choque? Tout à fait contre. Tout à fait. Tout à fait contre. Ça n'a pas lieu d'être. On a beaucoup de peine pour le papa parce que lui, il a certainement beaucoup de chagrin et lui et la famille. Le fait qu'il se remarie, cela vous choque? Non, c'est son droit. Et de toute façon, on pense chaque fois à lui et aux enfants. Quand on habite ici tout près, quand on passe en face, on pense toujours aux enfants et on pense à lui. Je me souviens encore de deux SMS que j'ai reçus de la part des pompiers Nivelles m'annonçant le drame. Je me souviens encore d'être revenu ici. Je me souviens encore, et c'est une coïncidence, que le temps était quasi semblable à aujourd'hui. Il pleuvait beaucoup, il faisait assez froid. Et donc, je me souviens aussi des jours où je recevais la famille avec les enfants qui venaient me voir dans mon bureau par rapport à des demandes en matière d'urbanisme. Et donc tout ça repasse en très peu de temps, c'est bouleversant. Moi je me dis, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, donc il faudrait aller chercher beaucoup plus que ça. Maintenant c'est vrai, cette dame a été condamnée, mais voir si la société, il n'y a pas un malaise, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que le procès c'est une chose, le meurtre de ses enfants, j'espère qu'elle n'a pas été pour rien. Je pense que les gens vont se réveiller, que les consciences vont se réveiller. Mais je pense qu'il y a beaucoup de malheurs qui vivent derrière les murs qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne côtoie pas, ou qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il serait temps effectivement qu'on cherche un peu plus profondément. Je pense que les gens sont malheureux, on le voit tous les jours. Il leur manque quelque chose. Vous savez, je vais vous donner un simple exemple. J'ai des chiffres par rapport à la Flandre. Je sais que ça n'a peut-être pas directement à voir, mais nous avons le plus gros taux de suicide se trouve en Flandre, moyennement au niveau de toute la région de l'Europe et tout. Donc ça veut dire que les gens sont malheureux. Il y a des problèmes. Quand on voit des gens qui sont riches, qui ont des moyens financiers, mais qui se donnent la mort, ou bien qui tuent leurs enfants, ou qui se suicident eux-mêmes, c'est que la société est malade. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais donc aujourd'hui, ça fait 3 ans. C'est évidemment un jour de tristesse parce que chaque 28 février et même les suivants seront toujours des moments très difficiles. Aujourd'hui, c'était un petit peu particulier puisqu'on a inauguré cette stèle. C'est un drame évidemment atroce que rien ne laissait présager. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu. On ne pouvait pas imaginer que
une telle horreur se préparait. Ça, c'était absolument... Beaucoup de gens ne comprennent pas votre relation avec cette famille et disent que vous, en tant que docteur, vous auriez pu déceler quand même le comportement de la maman. Ben, je suis docteur, je ne suis pas psychiatre, alors que des dizaines de psychiatres se sont cassés le nez sur l'état psychique de cette dame, ça aurait été peut-être difficile pour moi, qui la côtoyait plus fréquemment, de m'en rendre compte. Le papa n'est pas là, il ne peut pas en répondre, mais vous, quel est votre avis sur le film qui veut sortir sur les enfants, Mokadem ? Moi, je suis contre. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait signaler qu'il existe sur le web un site qui est lapétition.be et que les gens qui souhaitent s'opposer à la réalisation de ce film peuvent signer la pétition sur la toile. Quant à moi, je pense que y a plusieurs facteurs qui font que je pense que ce film ne peut pas se faire. D'abord, il y a la proximité. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que les enfants sont morts. Pense-t-on déjà à faire un film sur un événement, probablement le plus horrible fait divers de l'histoire judiciaire belge, faire déjà maintenant un film? Bon, tous les événements dramatiques qui se passent dans le monde peuvent un jour ou l'autre faire l'objet d'une publication ou d'un film, mais je pense qu'il y a une première chose, c'est que ceci, c'est beaucoup trop tôt. Vous êtes l'avocate de M. Mokadem ? Oui. Il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que c'est son avis vraiment ? Il est contre la diffusion ou la production de ce film ? Il est tout à fait contre la diffusion, la production de ce film. J'en ai déjà fait part aux avocats qui interviennent pour la société qui va réaliser ce film. Et je suis très angoissée à l'idée de ce film pour la raison suivante. C'est qu'au départ de ce drame, on a un petit peu biaisé avec la réalité. Je parle du départ du drame, de l'instruction, au départ. Les médias s'en sont mêlés et on a annoncé des choses qui étaient totalement inexactes. La justice a rétabli la vérité, la situation. Le procès a été remarquablement mené. Les jurés étaient, ça a duré des jours et des jours. On a repris absolument tous les éléments qu'il fallait prendre en compte. Et la justice a rendu une justice qui me paraît tout à fait parfaite en ce sens, et notamment en disant que ceux qui se sont constitués partie civile au cours de ce procès, c'est-à-dire mon client, bien sûr, le papa et le docteur Sker, n'avaient aucune responsabilité là-dedans. On a recommencé à essayer de les impliquer concernant le problème civil qui s'est passé aussi devant la cour d'assises. Et la cour, de nouveau, toute seule cette fois-là, plus avec les jurés, a dit qu'ils n'avaient aucune responsabilité et a accordé les dommages et intérêts illusoires, bien sûr, mais qui étaient dus. Et je crains que le film ne revienne en arrière, dénie la réalité juridique, la vérité juridique, pour repartir sur une tangente qui me paraît totalement inexistante, mais qui pourrait plaire au public éventuellement. Oui, effectivement, beaucoup de gens disent qu'il est quand même la cause de cette dépression, peut-être, qu'il se cachait quelque chose. Qu'en est-il ? Est-ce que vraiment la justice l'a blanchi de ce côté-là ? Mais tout à fait, tout à fait. Il est, comme l'a dit le docteur il y a un instant, c'était absolument imprévisible. Imprévisible, on a examiné tout ça, on a vu dans quelles conditions elle vivait. Je ne dis pas qu'elle n'était pas une bonne mère au moment où elle était la mère, c'est vrai, mais enfin, on arrivait là. De toute façon, moi, je n'ai pas compris. Je connais le dossier par cœur, je l'ai vécu avec le père depuis le départ. Je ne sais toujours pas vous donner une explication, je n'en ai pas. Je sais simplement que les personnes qu'on a essayé d'introduire comme responsables ne sont en rien responsables, en rien du tout. Je trouve ça inimaginable qu'on donne une somme aussi importante pour faire une œuvre qui, paraît-il, sera une œuvre d'art, ce qui est encore à démontrer, mais il paraît que le cinéaste a des qualités, je veux bien les admettre, mais pas sur le malheur des gens et pas dans ces conditions-là. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé du problème des parties civiles et de mon client plus spécialement et du docteur. Je me rappelle qu'à la cour d'assises, dans le procès pénal, a rendu un arrêt dans lequel on dit que le fait que Mme Lhermitte, qui était accusée et donc condamnée, comme accusée, s'en est pris à essayer de passer une partie de la responsabilité sur son mari et sur le médecin,
était inqualifiable, inadmissible et que ça aggravait sa responsabilité pénale. Je crois que c'est dit pratiquement dans ces termes-là, dans l'arrêt de la Cour d'assises. Je crois qu'il est important de le souligner. Et je crains que ce film, pour avoir un intérêt sans doute, pour intéresser le public, parce que le public, au départ, avait pris des attitudes dues en partie à la presse et à une espèce de déviation dans cette affaire, je crains fort que ce film, je ne dis pas que c'est pour leur faire plaisir tout à fait, mais enfin, reviennent en arrière et remettent en cause des choses totalement inadmissibles et qui n'existent pas. Il est vrai que dans la population, beaucoup de gens s'interrogent et se disent que si cette femme est arrivée là, il est peut-être fautif, ce papa. Et la relation du docteur Scar avec cette famille reste toujours dans un flou. Alors, quelle était exactement... Alors, il n'y a pas de raison de tuer. Peu importe qui est le problème que chaque femme peut avoir dans la vie, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication, ni juridique, ni humaine, pour tuer un enfant. Si quelqu'un a une raison, qu'il me le dit maintenant. Ça n'existe pas. Vous voyez, peu importe le problème que chaque personne peut envisager au monde. Il n'y a pas de problème particulier parce qu'il y a un tribunal, on ne va pas retourner en arrière. Mais c'est vraiment, il y a un problème, il y a toujours des solutions. Vous comprenez ? Vous étiez proche de vos neveux ? Mais bien sûr. Bien sûr, je suis la tante, bien sûr, on est là, on vit en famille. Et... Comment avez-vous reçu la nouvelle au moment que ça s'est passé ? C'est un tremblement de terre. J'étais perdue, je la défendais avec... je hurlais, je jurais sur le Coran pour la défendre. Jusque maintenant, je n'arrive pas à comprendre sa situation parce qu'il était proche pour... Je l'ai dit, je l'aurais dit jusque maintenant, 3 ans après. Elle était une maman formidable. C'est pour cela que je dis que ça reste un mystère, parce qu'il n'y a aucune maman qui peut faire ça. Elle était trop... Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire ? C'est ça le problème. Les enfants n'ont rien fait. Ils ne méritaient pas ça. Ils étaient arrachés de cette façon. Je ne veux même pas penser, parce que j'évite de penser pour ne pas me détruire moi-même. Parce que moi aussi, je suis maman de 5 enfants. Je ne veux pas vivre la même situation, en fait. C'est difficile pour une maman de faire du mal à son bébé. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas explicable. On n'a pas de raison. Geneviève Lhermitte, aujourd'hui, vous n'êtes pas son avocate, vous représentez son mari, bien évidemment, mais quelle écho y a-t-il la concernant ? Est-ce qu'il y a des regrets ? Dans quelle position se trouve-t-elle aujourd'hui ? Nous l'avons vécu au procès. Hein ? Elle a eu une attitude au procès. Bien sûr qu'elle a des regrets. Ça serait tout de même dommage qu'elle n'en ait pas. Et au fond, vous posiez la question tout à l'heure, et il m'est venu une réflexion à l'esprit. Pourquoi que les gens parlent comme ça ? Ils disent « elle a 5 enfants, elle est une bonne mère ». Elle en est arrivée là, donc il y a un responsable à l'heure. C'est ça le discours un peu primaire qu'on a dans cette affaire. On ne comprend pas. À partir du moment où on ne comprend pas, on cherche le fautif, un coupable. Pourquoi que cette femme admirable en est arrivée là ? Et ce n'est pas ça. On comprend la question, mais la réponse, ce n'est pas ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et ils n'ont pas pu le prévoir un instant. Hein, vous disiez tout à l'heure au docteur, vous êtes médecin, vous la voyez de près, est-ce que vous n'auriez pas pu ? Mais non, personne n'aurait pu. Personne. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, serein littéralement. Elle avait un psychiatre, hein, elle voyait son médecin régulièrement. Je sais qu'il y a eu un problème, peu importe. Elle le voyait quand même, etc. Personne n'aurait pu imaginer ça. Et au fond, le public se demande pourquoi. À partir du moment où on se demande pourquoi, on essaye de trouver une responsabilité. Mais il faut la trouver où elle est, pas ailleurs. Il faut faire glisser cette responsabilité sur les premières victimes, parce que ce monsieur qui revient, mon client qui revient du Maroc, avec des jouets dans sa valise, hein, de couleur bleue, parce qu'on aimait bien le bleu, et qui arrive à l'aéroport où la police le prend à part pour lui dire « mais malheureusement, on doit vous annoncer une terrible nouvelle. Il croit que la maison a brûlé. » Il croit que le voisin a tué ses enfants, il croit tout, il ne comprend pas, et alors on doit lui dire, n'en parlons pas de l'effondrement. Beaucoup de gens s'étonnent de votre relation. Qu'avez-vous à dire au public qui nous regarde de la relation que vous avez avec la famille Mokaddem, puisque vous avez, entre guillemets, dans les journaux, une attitude, une relation suspecte ? Je pense que j'ai une relation très proche et très profonde et très intense avec la famille Mokaddem, que je connais depuis 30 ans, plus de 30 ans. Ce sont des rencontres, comme j'ai dit, hein, dans la vie, beaucoup de rencontres sont comme ça fortuites et arrivent quand on ne s'y attend pas. J'ai rencontré la famille Mokaddem au Maroc et puis s'est établie une relation très forte entre eux et moi.
et qui dure depuis plus de 30 ans, 35 ans. Et donc j'ai accepté de prendre en charge Bouchaïb, qui n'avait pas l'occasion de continuer ses études là-bas et qui est venu faire ses études ici. Et au fil du temps, il a poursuivi des études, il en a réussi certaines, il n'en a pas réussi d'autres. Mais finalement, il a rencontré Geneviève Lhermitte lorsqu'ils étudiaient tous les deux à l'Institut d'enseignement moyen de l'État. Semblait-il qu'elle n'acceptait pas trop votre présence, qu'elle vivait sous votre pression c'est ce que l'on dit, est-ce que c'est vrai? C'est ce que la presse dit. En tout cas, moi, Geneviève Lhermitte ne m'a jamais rien dit concernant... Et puis, je dois quand même rappeler que depuis que nous habitions Nivelles, moi, j'étais là très peu souvent. Hein. J'étais là le week-end, et encore pas tous les week-ends, et une soirée, un soir par semaine. Donc, j'avais peu de contact avec Geneviève Lhermitte. Hein, parce que quand je rentrais, étant donné que j'ai une profession qui me prend assez... tard le soir, quand je rentrais à Nivelles, en fait, tout le monde dormait. Et quand je repartais à Bruxelles le matin, tout le monde dormait encore. Donc, je voyais très peu Geneviève Lhermitte. Alors, elle a pu s'imaginer, évidemment, un tas de choses. Je crois que son imagination fertile a beaucoup fait. Et je crains aussi, et c'est dans ce sens-là qu'à l'époque, j'avais dit que je pensais qu'elle était victime d'une secte, ce qui n'est pas vrai. L'enquête a prouvé qu'il n'y avait pas de secte. Mais je pense qu'elle a eu de très mauvaises influences.